Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on est sur la ferme française. Bon, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on est au mois de décembre et au mois de janvier on a fromage et beurre à vendre. Va falloir qu'on regarde de plus ça. Et neige, on est sous la neige. Ça c'est pas mal aussi. Alors attendez, hop. Faire ça, tac, tac. Voilà. Alors petit tour aujourd'hui des animaux, on est comment? Là on est bien, là on est bien. J'avais dû s'en occuper le dernier coup. Ouais, il y a des chances. Là on est bien aussi, il faut juste qu'on mette un peu de ration au niveau des vaches. Ok. Alors, tac, tac. Le fromage. Je vais avoir un petit problème. Regardez. Ah, je peux pas voir. Ça, c'est... Merde. Je vais baisser un petit peu le son de la musique. Alors, fromage... Fromage, j'ai 2h. Ok, on a 12 et 9. Qu'on va faire? Là, j'ai un petit nouveau à vous présenter. Aussi. Voilà le petit nouveau. Un camion qui est autoload. Alors, pour aller voir les usines, le top du top. Là, on va aller faire un petit tour. Voir s'il y a des choses à emmener. Hop, pas la route trop tard. Donc on va préparer le beurre et le fromage. Aujourd'hui, on a une palette. Et il faut assurer qu'on plante des vignes aujourd'hui aussi. De planter des vignes aujourd'hui. Dans le petit champ qu'on a gardé. On se met à côté, hop, et on charge. Ça c'est plutôt pas mal. Donc on va faire le tour des autres. Là je vois bien que le temps avance un peu. Jour, c'est pas mal. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Oui, encore une palette. Tac. Voilà, là on est bien, on se met en 15. Pratique. Du coup, comme j'ai acheté ce camion-là, on a revendu le chariot et l'élévateur. On n'a plus besoin ici avec le camion. Parce qu'on a une petite palette. Oui. Et les vêtements, c'est quand? Alors c'est que moi d'avoir des vêtements. C'est pas maintenant. Voilà. La palette de vêtements est chargée. Maintenant, beurre et fromage. On va aller voir ça. Hop, voilà. Oui, il y en a toujours. Là, je viens de me taper l'usine. Voilà. Ça, c'est fait. Alors maintenant, au niveau usine, on est comment? Là, on a encore du lait. Ok. Là, on a encore un peu de laine, mais de la laine en stock, on avait tout en nous. Il me semble qu'on a plus de laine en stock. Laine, non, on a zéro stock. Ok. Les vêtements, on a 5 000 vêtements. Ça, c'est normal. Normal, la laitue, c'est toujours bon. Laine, ah, là, on a 5 000 laines. Je crois qu'on revient en remettre tout ce qu'on en aura. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon. Retour à la ferme et on va s'occuper de planter des vignes. Ça va être pas mal. On va se lancer dans la production de vignes. Je vais déjà enlever ma tête, on verra. On verra ce qu'on pourra faire. Aujourd'hui, je vais absolument prendre
le fromage et le beurre. Et on passe un petit tour là au niveau de mes champs. Oh, de nos champs. Voir comment c'est. On avait tout planté. Au niveau de nos champs, on est comment là? Ça a été récolté. Oui, ça a été récolté, les trois ont été récoltés là. Il nous reste le colza. Okay. Là dans le 1, on met des lignes. Ah oui, eh oui, j'avais commencé à labourer en vidéo, donc il va falloir qu'on finisse. Et on a dit qu'après on mettait quoi? On a dit qu'on coupait après. C'est pas du soja qu'on fait. Je crois qu'on voulait faire de l'huile de soja, non? Ah non, on refaisait une partie de soja pour ramener un peu d'argent. Ok. Le canon, on va laisser là pour l'instant. Tac, tac. On va aller finir. Labourer notre champ que j'avais commencé. Tac. Ouais, j'avais préparé ce pour les lignes. J'avais commencé à labourer le champ. On va faire, c'est qu'on va continuer. Hop. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a en promo? Tu vois des choses intéressantes. Ah, hein, c'est pour les olives. C'est pour les olives, on n'en a pas besoin. Ah, c'est dommage. Après, on peut faire. Quand on fait un seul champ de vigne. Ou alors on peut faire des olives, je ne sais pas comment ça se pareil ou pas. Ça, ce sera à voir. On va déjà placer les vignes. On va voir l'argent que ça va nous coûter pour le placer. Et après, on va voir. Quand même pas mal de vignes. Si on veut faire du jus de raisin et tout ça, on va en avoir pas mal. On va avoir une grosse récolte. Je pense que si on fait tout le champ, je pense que ça devrait le faire. On va le laisser tomber en terre ou pas? On va le lancer en terre. Alors je sais pas si on va pouvoir. Je vais mettre directement comme ça la terre. Non, en tout cas, on va essayer. Toi, tu viens là. Comment on plante des vignes? Non. Arbre. Bon, on prend des vignes. Ça, c'est une autre question. Comment on met des... Comment ça se plante, ça? Non, ça peut être une préparation. Production. Ah oui, verger. Là, on a des vignes et là, on a du... Comme de l'huile. On va faire ça. Alors la distance entre chaque, je sais pas trop comment on va la faire. Ce qu'on va faire, c'est que chaque... c'est un petit carré. Oh, ouais, non, pas aussi grand que ça quand même. Ça, je pense. Pire. Et on va planter à partir de la terre. Peut-être ah, j'ai débordé. Voilà. Alors maintenant, on fait production verger, tac. Et on met un pied de vigne à partir de là. Jusqu'à, là. Ah! Ah, on peut pas. Ah! Par contre, est-ce qu'on peut planter des vignes alors? Ouais, c'est qu'au mois de mars qu'on peut planter du raisin. Et oui, c'est pareil. Bah, non. Tant pis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer. Oh. On va préparer ou attendez. Je pense qu'on va pouvoir aller refaucher notre champ d'herbe dès qu'on a racheté.
faire du foin. Là, comme ça. Là, le champ, là, il est prêt. Est-ce que l'autre, on l'a... Il me semble qu'on l'a fauché, mais est-ce qu'on peut le refaucher encore une fois? Là, il a question. Ça, hein, faudra qu'on prépare tout ça. Non, on peut pas. On peut pas faucher. Je sais pas ce qu'on va faire. Encore un peu de froid. Alors, on a plus de froid. Là, on a plus, mais là, il doit être un petit peu là. Absolument besoin de. Il faut être en face, une ration quand même. Ou alors, on va attendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va labourer ces trois champs-là. On va labourer s'il y a besoin. On s'en fout. On doit labourer le 2, c'est tout. Bah, du coup, on reprend. On repart la bouée, tout ça. Et si on a. Ah oui. Et il va falloir qu'on aille prendre. En mois de janvier, on a le lait aussi. Est-ce qu'on a beaucoup de lait ou pas? Ah, on va peut-être pouvoir vendre un petit peu de lait en plus. Niveau usine, on est bien. On a pas mal de lait. Là, on va préparer les champs. Oui, bien joué, cool. Ça c'était pas prévu ça. C'est pas du les cochon que va falloir qu'on aille vendre aussi. Un cochon puis même les moutons après. Là, on est à 100. Ah ouais non c'est pas fini, là on est à 1000 ça. À 1. Pourquoi ils ont pas tous mis un prix là-dedans? Là, on est à 21 mois. Là 16 mois. Ah oui celui-là c'est juste ma vache en premier. Ok, là on est à 3000 euros. Production 9% du tout. Et les moutons, on est. Dès que ceux-là ils sont à 1000, à 1000 euros, on en vend 50 comme on avait fait. Maintenant, bah, on va réparer les petites bêtises qu'on a fait. Évidemment. C'est dommage parce que moi je comptais planter mes. J'ai planté mes vignes moi aujourd'hui. Je ne savais pas que ça jouait aussi sur le. Ah, ça a posé problème. On passe derrière. Et il n'y a pas beaucoup de place. Ah, si on arrive à retourner le tracteur. Est-ce que ça ne ferait pas relever aussi le. La charrue. Et hop là. Voilà, bêtise réparée. Donc on va voir. S'il y a moyen de refaire les semis de quelque chose avant de planter les raisins, je pense qu'on va le faire. Et je sais pas. Que les raisins. Non, on peut plus rien planter là. Là, on pourra planter. Ouais. C'est foutu. Ok. Bah, ce n'est pas grave.
T'as vu, c'est pas la bourrée. Ah, une bonne chose de tête. Tac. On baisse tout ça. On est parti. Après, on a Lily et Hypond. On va passer un coup de cultivateur dans les deux autres champs. Après le cultivateur, on met un coup de lisier et après un coup de chaud. Là, on va être tranquille. Et là, on a des pierres pour ramasser dans l'autre champ. On va falloir qu'on voit ça aussi. Est-ce que c'est pas intéressant? Comme on a de l'argent et qu'on va encore s'en faire, on va vendre notre fromage et tout. Encore acheter des champs. Et qu'on arrive à tourner avec un maximum de champs pour pouvoir faire un maximum de choses à la fois. Ça va être bien. Je vais mettre un ouvrier là-dessus. Et on va aller faire un petit peu le tour des champs, voir ce qu'on peut faire. Là, niveau champ, on commence à en avoir quand même pas mal. Bon, vraiment à être bien. Désolé pour le bruit, c'est juste que j'ai ouvert la fenêtre. J'ai l'impression d'être dans un four. C'est une chaleur qui est affolante. Donc ça, j'enlève, tac, tac, hop. On met l'ouvrier là-dessus. Et nous, on va aller voir s'il y a moyen d'acheter. Après, je crois que les champs sont assez chers. C'est peut-être ça qui va poser problème. Voilà, on va pas en diagonale, peut-être qu'il fait, là. Parce qu'il met en diagonale, il va en diagonale. Alors, niveau champ. Non, je suis pas du tout dans le contrôle. Niveau champ. Oh, là, on a le 3, le 4, le 2. On a tout. Là, on a encore le 6. Hein. Le 6 qui est collé à notre terre. C'est à combien tu as? Oh, 45 000 euros. Là, ah, le 6 est acheté. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de en racheter encore un? Là, après, on va commencer à aller loin. On va peut-être dans les alentours de 21, 22. Après, non, c'est moins loin. Là, on a celui-là qui est en... Ah, on a celui-là aussi. Le 30, là. Il y a combien, le 30? Mais les chers, pas sûr. Il y a 65 000 euros, il y a 1 hectare. Là, 1,39, 0,9, 0,13. Il y a combien par là? Ah ouais. On va pas mettre autant. En bas, le 30, hein. 30 ou le 32, non, non, le 26. 85 000. Bon, on part sur le 30. Hop. Voilà. Donc là, on a ah les ah, c'est cool, ils ont été labourés. Ça va pas à le faire. Ils ont besoin de rien du tout. Là, on a juste celui-là. Et après, c'est cultivateur. Ok. On va prendre le petit cultivateur nous avec le petit chaud. On va commencer hein. Peu trop vite hein, quand même. Il est 15 h mais il est fini.
En plus, il va neiger. Super. Ouais, ce champ-là a des cailloux. Après, les cailloux en soi, c'est pas gênant. Et nous, on n'a pas besoin de les ramasser. Hop là. On verra si on les ramasse ou pas. Et on peut les laisser, hein. Ça dit mal, c'est faire, hein. Ouh. Pas bien, si, c'est bon, c'est bon. Alors, est-ce qu'on fait tous les champs? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 champs là. Plus, bah, les 3 là, plus les 2 qu'on vient d'acheter. En soja. En fait, c'est vrai que niveau financièrement, ça peut être bien. Parce qu'on récolte les points en soja. Après, il faudrait pas qu'on tourne à vide en fait, en champ. Le soja, il va être récolté là. Non, ça va pas poser de problème en soi. En fait, ça pose problème vraiment quand on veut faire du blé. Ça se fait vachement tard. Si on fait du soja là, on pourra refaire autre chose, genre du maïs ou un truc. Après. Je pense qu'on va tout faire en soja, les 5 champs. On va avoir une très 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 grosse monte. Là, je vais juste faire le tour. Après, on va mettre nos midiers et nous, on va s'occuper d'aller vendre. Enfin, ou non, je ne sais pas mettre des midiers. On va les vendre directement. On va juste aller chercher notre tracteur. Je voulais de voir. Il n'y a pas fini encore. Ah si, c'est bon, il a fini là. Hop, hop, tac, tac. Là, on plie. Et on va aller chercher notre fromage. Wow. Wow. Ça va bien se passer. On va vite fait aller vendre notre fromage alimentaire, voir combien que ça nous rapporte. Après, on n'en a pas énormément. Ça va pas nous rapporter 100 000 euros. Hein. Bah, le lait aussi. Ouais, le lait aussi à vendre. On a trois choses à surveiller. Hop là. On va chercher notre petit plateau. Alors qu'on a mis non, on l'a laissé là-haut. Si on tourne le volant, c'est peut-être mieux. Ah, celui-là a déjà de la chance. On va juste lui mettre un coup de. Un petit coup de. De lisier. On a beaucoup de lisier, nous, je sais pas. Hop. Donc. Le lait. Là, il est encore en train d'augmenter. Ok. Là, ça augmente toujours. Là aussi. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer le temps. On va accélérer tout ça. Et voir qu'est-ce qu'on vend en premier. Là, faudrait que je me fasse un petit passage. Peut-être que je pas qui me défend. C'est intelligent. Alors, je vais où? Je vais au-dessus. Là, le lait lui augmente.
tour. Il faut vraiment surveiller. Fromage. Oh, ce fromage, 5 000 euros quand même. C'est pas mal, hein. On va vendre le lait en premier. Le lait, on a atteint le pic. Pourtant, on est qu'au mois de décembre. J'espère qu'il va pas. Normalement, c'est combien le prix? 2200 mètres dedans. Donc, le lait, on n'en parle plus. Bon, t'es allé faire du camion. Hein. Ah. C'est hyper pas dur. C'est vraiment pas dur. Je veux pas décharger. Mais. Enfin, maintenant, on va pas augmenter le temps. Ça va pas nous rapporter grand-chose. Hein. Non. C'est pas ouf. C'est bon à décharger. Pas vite, hein. Prendre 2 000 euros en plus, pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Hein. On va prendre notre tracteur, tac tac tac. Et on va accélérer le temps. Pause. Pause, pause, pause. Là, ça augmente plus fort. Bon. 932. Ça augmente plus fort. Hop, le beurre, c'est fini. On va faire ce qu'on va sortir le beurre. Hop. R. Laitue, vêtements, beurre. On sort tout. Tac. Lui, il a arrivé, quoi. Je pense. On va vendre le beurre. Et la neige arrive en plus. On a 13 000 cette heure. Je sais pas. Ouais, la neige est en train de blanchir. En train de tenir sur le sol. Alors, on a quand même fait une très belle zone. J'avais pas vu que j'avais laissé du alors on vend tout ça. On fait combien? Oh, pas mal. 38 000 euros. C'est bien. C'est vraiment bien. Et maintenant, on va prendre le fromage. Là, ouais, va vraiment falloir trouver une solution aussi.
faire une descente. Même si je peux pas revendre le bâtiment aussi, ou alors faut que je m'arrête. Décale pour pouvoir passer à côté. Ça va pas comme fromage là coupé le fromage hop là, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Voilà, on a mis 10 000, une vingtaine de fromages. On va se préparer à aller voir. Après, on va visiter aller faire. Ouais, on va voir le. On va voir. On va voir, on va voir. Deux fois que je me fais avoir, c'est pas possible ça. On se remet en 3-3 francs. Fromage 5,777. Le fromage il a vraiment un très bon prix. C'est combien qui peut monter à 5,800? Bien. Mais on a atteint les 800. Il va aller jusqu'au 6 000, hein. Voilà. Et ça me dérange pas du tout. À mon avis, franchement, j'ai rien. 180, 185, 90, 15, oh, ça monte de 55. Ah, je pense que ça ralentit. Hein. Ouais, ok. Hop, on s'arrête là. €59 en plus, c'est correct. On va faire en vitesse encore un petit peu de temps. On va aller au niveau des lignes. Waouh! Voir qu'on aurait pas un peu de fromage et de beurre d'arrivée. Tac, les petits bureaux, hop. On peut le vendre en même temps. Et tu vois, ça te pousse. C'est fou. Ah, ça c'est wow, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup de chez beaucoup. Oh, tout ça pour deux palais. Hop. On va les vendre. Pour deux palais en plus. De chaque. Le camion par contre il est vraiment pratique avec le chargement autonome, top. Et ça rapidité, la voiture est morte, toute la ligne est morte et morte. On a plus qu'à aller au garage. Ah, attendez, c'est pas très bien ce que je fais, hein. À ne pas reproduire. Après que je fasse un chemin ici par contre. Ça va être pas mal. On s'est fait beaucoup d'argent. Verdict avant d'arrêter là. Combien d'argent qu'on s'est fait? Ah oui. Ah, attendez. Attendez, attendez. On a 32 000 €. 32 910. Vendu tout là, a vendu pour 56 134 et pour 72 000, non, 401. On a vendu pour 162 000 €. Ça me paraît beaucoup quand même. Ah oui, mais non, ah oui, mais c'est normal puisqu'on a tout ce qui est usine. Bah voilà, voilà, on a fait le tour, les amis. Bon, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker,
commenter, partager, et vous abonner. Et là, je pars dans les choux, mon tracteur ne veut pas tourner. Ne tourne pas dans la neige. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vais vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Je prends une feuille de... Prenez soin de vous. Et ciao tout le monde.